Salut à tous, c'est Jérémy Gamer, j'espère que vous allez bien. Donc là on se retrouve normalement, je suppose, et je suis pas encore sûr, le boss final du jeu Lords of the Fallen, je pense. Donc on va voir ça ensemble. Et normalement après il y aura la dernière balise à faire. Moulou mec. De toute façon, à mon avis, je pense que si c'est le boss final, il y aura deux phases, on est d'accord. Je sais pas ce qu'il fait avec sa tête, il est chiant. Dans l'ombral, c'est à mon avis ça va être plus dur. Je suis mort. Attends, je comprends pas. Pourquoi je suis mort? J'étais déjà dans l'ombral. J'ai pas fait attention. Ah, je suis arrivé dans l'ombral, je crois. Bon, c'est pas grave. On voit bon, je suis perdu. C'est où? C'est là. Ok. Tac. J'étais déjà dans l'ombral, effectivement. Bon, on reprend, c'est pas grave. Ce coup-ci, c'est la bonne.
pas vu le bon chemin là. Qu'est-ce que j'ai foutu? Attendez, je suis complètement perdu là. Ah non, attendez, c'est pas là. On remonte en haut. D'accord, et c'est pas là. C'est à droite. Chemin à droite. Là. Voilà. Et là, on va y arriver sur le fameux boss final. On l'a pété, c'est bon. Je pense que c'est le boss final. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est le boss final. Pour toute l'honnêteté, j'ai pas suivi sur internet qui était le boss final. Je vais passer le cinématique parce qu'on l'a déjà vu au début. Le deuxième cinématique aussi, je vais le passer. Phase qui serait bien sûr plus dur, je pense. C'est un truc qui fait... Il fait trop mal. Je fais n'importe... Là, je fais n'importe quoi. N'importe quoi. Je vais faire surtout de la vie. Je fais de la merde. Ouais, en fait, il y a une... phase, je crois qu'il est au fond. C'est le même phase, c'est chaud. Ah non. Le roi est mort. Il n'y avait pas de phase. Je ne sais pas si c'était le boss final. Je suppose, mais je trouve ça bizarre, je n'aurais rien trop fait. Oh.
qu'on va là-haut. Elle est où la balise? Il doit y avoir une balise. On va aller en haut, il doit y avoir un autre vestige. Ah ah, oui, attendez. Je vais mettre. Écoutez en plus ce qu'il disait, c'est pas grave. Putain. Alors. I look upon you with pity, my lost child. Attendez. For you have been deceived and enslaved by forces who regard you as nothing more than an instrument through which they might enact their blasphemous will and prevent my rightful return. They speak of light while offering you nothing but blindness. Weak hypocrites relying on the malignant power of Umbral. With one breath, then decrying it with another. They brand me evil, a tyrant, and yet I offer you something they will not. A choice. Reject the fanatical crusaders and the deranged servants of the self-proclaimed judge. Dismiss all of their false dogma and the torturous mission to which they have bound you. And only then will you know freedom. And if you would hear it, the truth. Entrer dans la rue. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Attends, on va peut-être attendre, de toute façon, à mon avis. Ah, on peut aller là. Où ça va? Ce petit chemin. Entrer dans le royaume. Il y a quoi dans le royaume? Ça va où tout ça là? Ah, d'accord, ça c'est son trône. Et si je reviens là, ok. De toute façon, on va aller dans le royaume. Il y a que ça à faire, je suppose. Mais. Aussi qu'elle est pas bien, tiens, c'est un truc que je vais faire. Tout ça. Le royaume, ok, mais. La valise en haut là, faut que je fasse cette balise. Si je rentre dans le royaume, ça fait quoi? Je sais rien faire. Entrer dans le royaume. Regarde. Ouais, essaye. J'espère qu'il y a Valise, je pourrais la faire plus tard. En tout cas, moi je vais quitter cette vidéo et du coup on va reprendre la vidéo après pour se faire le boss final. À dire excitez-moi. Bon, je quitte là et puis ok, d'accord. À mon avis, ça va être le boss final à dire. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Profitez bien, amusez-vous bien. À bientôt, ciao, ciao, bye bye.